tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Je suis avec Adeng. Et donc aujourd'hui, on va tester, parce que lui aussi, hein, il a regardé beaucoup de vidéos. Ça fait un petit moment qu'il m'en parle. Alors, je vous ai dit hier que voilà, ça faisait un petit moment qu'on voulait en faire avec Adam. Donc, après, ça coûte pas si cher que ça. Ça coûtait plus cher il y a un an. Maintenant, celui-ci fait une de 272 kg en portée normalement et en attraction, et il coûte 36 je crois, si je m'en souviens, 34 euros, un truc comme ça. Bref, voilà. Et donc voilà, donc là on va faire nos premiers essais. Il est 20h13 et on va tester ça. Ça fait peur. On teste, allez. C'est tout ce que t'as fait. Attends, faut lancer plus là. Regarde. À vrai dire, après c'est le canal du Midi, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à remonter. À part des deux. Et peut-être des ânes. Et peut-être des ânes. La première prise, une barre de fer. La barre de fer quoi? La barre de fer tout. La barre de fer des doudou. Une barre de fer. On repart de cette petite pêche. Alors là, nous sommes mardi et on est parti, il était 20h30. Le soleil est en train de se coucher. Il y a le vent qui s'est levé,
ça se rafraîchit très vite, hein, surtout sur le canal du Midi. Et en fait, nous avons trouvé la barre de fer. Changement de programme par rapport à ce que j'ai dit juste précédemment. Donc finalement, je devais ce matin partir sur le canal pour faire de la pêche à l'aimant. Et finalement, comment vous dire que j'ai eu une flemme aiguë. Voilà. Cet après-midi, c'est impossible. Il fait beaucoup trop chaud. Et Corinne m'a dit, on va à la mer. On va à la mer. Le vent a tourné. Le vent a tourné. Voilà. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud quand même, hein, je vous rassure. Il fait beaucoup trop chaud. Oh, on va perdre 2 degrés à la mer. Il fera 32. Il fera 32 degrés. Là, il fait 34 au roulant, mais bref, on s'en ouvre de la température. Voilà, c'est l'été. Mais il fait, voilà, il fait si par rapport à la température que j'ai pas pu aller faire l'aimant. Je l'ai pris quand même. Je vais tenter de faire un peu au niveau des rochers, au niveau de la plage. Peut-être que je vais ramener des hameçons. Je vais sur. GoPro, peut-être. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Une petite GoPro, vu que la mienne est partie dans la mer, pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, elle est partie dans la mer de la Bretagne. Mais bon, ça veut dire qu'en gros, elle est partie en Bretagne, elle a fait le détroit de Gibraltar, ouais, si je me trompe, peut-être que je me trompe, et elle est rentrée dans la mer, elle s'est dit, ah tiens, c'est Narbonne. Je vais aller me mettre sur la plage. Je sais qu'il a acheté un aimant, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Bref, on va rejoindre ou c'est eux qui nous rejoignent, ouais, après la famille. Ouais. Le bon voilà. Frère, alors boit le sort. Voilà, donc on va profiter un peu de cette soirée tranquillou à la plage avec la famille. Ouais. Voilà, quoi dire de plus. On va voir, on va filmer ça. Je vais vous partager un peu de nature, un peu de plage, un peu de tout ça. Un peu d'air iodé. Je peux pas l'envoyer à tout le monde, l'air iodé. Hein. Désolé. Et il va falloir inventer quelque chose. YouTube, invente un petit truc pour sentir l'air iodé. Ça finira peut-être par arriver, mais là, le prix du truc pour sentir. Ça existe déjà. Ah bon. Ça existe en fait sur un jeu vidéo. Ah bon. South Park. Tu sens quoi, les cacas, ouais, les trucs comme ça. C'est exactement ça. À chaque fois qu'il y en a un qui pète, il y a une odeur de pute. Ouais. C'était un truc que tu mettais sur le nez. Bon, ça n'a pas fait non plus fureur. Hein. Voilà. Je sais qu'il l'a fait, mais ça n'a pas fait non plus de ouf. Hein. Bref, ouais, voilà, on dit vague. Normalement, c'est marin. L'air est marin. De leur entrée, vent marin. Donc peut-être qu'il y aura peut-être des vagues. Ça serait pas mal. Non mais crois pas avoir des vagues quand il y a l'autre côté, hein, dans les autres. Vas-y, viens, on va de l'autre côté alors. Bah franchement, il n'y aurait pas autant de monde et puis les campings, ils se toucheraient pas un peu au niveau prix, je dis pas, mais là ils exagèrent. Viens, un week-end on part comme ça, un week-end on va. Bon, au mois de septembre. À Mimizan. Au mois de septembre. Il y a quelqu'un de Mimizan? Je dis Mimizan, mais. Oh bah parce que nous c'est ça, Mimizan, vieux boucou. Mimizan, vieux boucou, tu vois. Il y a quelqu'un de là-bas qui a un petit bout de terrain? Pour nous accueillir un week-end. J'ai l'impression que mes trucs sont comme ça, quoi. C'est comme ton cerveau. Mais ouais, mais. Pourquoi t'es aussi violent avec les lunettes? Parce que c'est de la merde. C'est toi, c'est de la bip. C'est de la merde. C'est de la merde. La merde. Bref. Bref. Non, je vais même dire mieux que bref. Ouais. Il n'y a pas une voiture en face, espèce de. Moi, la dernière fois, tu m'as fait couper mon petit passage en voiture. Ouais, donc, non, mais toi, t'es hard, t'es plus hard que moi. Et donc, je vais dire mieux que bref. Vas-y, avance. Enfin, bref! Ça fait presque bien, hein. On croit vraiment qu'il n'y a pas de monde. En fait, il n'y a que moi.
Bon, là, le monde est parti. Il est beaucoup plus tard. Là-bas, il y a beaucoup plus de monde. Bon, il est quasiment 19h30, je pense. On vient de finir de manger. Et à vrai dire, quand on est arrivé tout à l'heure, on s'est même dit, c'est quoi tout ce monde? C'était un chouïa abusé. Bref, là, je vais faire un peu décoller mon drone, juste ici. Donc, les images qui vont suivre, ça va être un peu du drone des environs, bah, de là, quoi. Et après, on va aller jusqu'au rocher là-bas. On attend en fait que ça se vide pour pouvoir utiliser l'aimant. Là-bas, il y a encore un peu de pêcheurs et après, on va aller sur les rochers faire un peu d'aimant et voir si on récupère des hameçons. Alors, bon, j'ai un doute, pour être sincère avec vous, j'ai un petit doute sur le lancer d'aimant dans la mer. Pourquoi? J'ai peur qu'il se mette dans un rocher et que je ne puisse pas le sortir. Donc j'ai un très gros doute. En réfléchissant bien, on va peut-être pas le tenter. Finalement, j'aurais pas fait tout ce que j'avais envie de faire, j'aurais pas fait. Par contre, il y a des magnifiques bigorneaux. Et ça, je pense que je vais aller en chercher. Yo! On se retrouve au Somaï, juste après cette petite session de plage. Et quoi de mieux que de finir cette journée avec... Une petite glace! Avec une petite glace. Avec une petite gourmandise. Une petite gourmandise. Donc là, nous sommes sur les berges du Somaï. Voilà. On est garé là, juste devant nous. Ouais. Parce que nous, on est d'ici, nous, c'est chez nous ici. Avec plaisir. Cerise. Ouais, il en reste une, c'est ça? Bon, allez, arôme. Et nougat, allez. Combien? 3 boules. 3 boules. On achète un petit coulis, chocolat et un menu. Chocolat. Je sais plus de 10, mais tu as payé avec la carte. Voilà. Merci. Allez, le deuxième. Bon, c'est totalement régime, hein. Ouais.
chantilly, hein, un truc comme ça. Si on se mettait comme ça, ce serait pas mieux. Ah, j'en ai plein la barbe. Alors j'ai pris des goûts improbables. Bah, les premiers, c'est normal. On va dire, j'ai pris chocolat, stracciatella, non. Snickers, stracciatella, Kinder Bueno, Nutella. Après j'ai fait melon, cerise. Je trouve que bon, pas du tout en chambre. Oui, parce que je voulais goûter du frais après. Ah. Melon, cerise et nougat. Mais on va commencer par melon, cerise, nougat. Et après ça va être du chocolat en fait. Au cas où si les premiers c'est pas bon, je finis sur du bon. Le nougat est pas bon. Déjà le melon. Ah, le nougat est spécial. Mais en fait il n'y a pas trop de nougat. Mais t'as reposé, je trouve pas. Le melon c'est une tuerie, il est là. Attends. Le melon c'est une tuerie. Ah, il a vraiment le goût de melon. Il est vachement bon. Ah, j'avoue. Hein. Donc nous sommes au. C'est la cascade des glaces. Sur le sommeil. Le sommeil. Il y a un concert là-bas. Bref. Très animé ici. Hein. Est-ce qu'on ne quitterait pas là-dessus? Avec une bonne glace. Avec un goinfre en train de manger. Allez, bref, on va se quitter là. D'habitude, je prends 4 boules. Ah, le melon. Sérieusement, le melon, c'est une pune. Ouais, super bon le melon. Allez, on va vous quitter. On espère que ce petit vlog vous aura plu. Ouais, d'abord. Attends, on va se mettre comme ça. N'oublie pas, petit pouce bleu. Le petit abonné, si voilà. Et puis bah tchou, à bientôt. Tchou.